Ça peut être une commande que je viens d'acheter chez le marchand. Bonjour à tous et bienvenue retour dans la dans Rise of Tomb Raider, comme vous le constatez. Nous sommes de retour. Eh ben oui, en fait, on est de retour dans le jeu. On va pouvoir. Attends une seconde. Voilà, c'est la tenue d'origine. Oui, comme je l'ai dit, j'ai acheté la tenue parce que j'ai eu assez d'argent pour acheter tout le reste, y compris mon nouveau fusil tactile. Que voilà. Pas mal, hein. Eh ben, il en jette, hein, dis donc. Peut-être le garder. J'ai même réussi à avoir un treuil pour pouvoir voir remonter plus rapidement les cordes quand je fais de la tyrolienne. Alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Eh ben ouais, on est à la fin du jeu, on a presque tout terminé. Enfin, ici il manque un défi et un document. Allez savoir où il est. On est vraiment pas la moindre idée. Mais ça n'a pas d'importance. Car en vérité, on est là uniquement pour une mission, pour faire le DLC Baba Yaga. Ah oui, voilà le nouveau truc que j'ai acheté, c'est ça. Remonter rapidement les tyroliennes, fini le temps long. Petite munition spéciale, hein. Ouais, j'ai développé cette compétence des têtes à balles creuses avec des sur un pistolet, ça devrait faire pas mal de dégâts. Alors, c'est par là. On va maintenant, comme je l'ai dit, on va faire le DLC de Baba Yaga aujourd'hui. Et pour ça qu'on retourne ici. C'est marqué par là. Parce que avant ici, je ne vous l'ai pas montré, parce que je l'ai fait accidentellement, il y avait des trinitaires qui recherchaient une fille. On les a supprimés. Et maintenant, on doit rechercher la fille qui apparemment serait cachée quelque part par là. Ne me demandez pas, je ne sais pas où. Je vais voir ici. Ça nous fait du matos. Bien. Mais c'est assez grand pour s'y cacher. Alors, jouer à cache-cache, ce serait trop évident que ce soit en bas. Maintenant que j'ai tout acheté chez le marchand, j'ai plus à m'inquiéter. L'argent, c'est pas pressé, mais je vais quand même les récolter au cas où. Ça peut se cacher, je suppose. Ah ouais, bah c'est en haut. Je suis sûr qu'elle est en haut, en fait. Eh, bah peut-être tu peux sortir. On est pour des trinitaires, on les a butés. Enfin, on les a pas encore empêchés de trouver la source divine. Ça, faudra que je me grouille de le faire après. Eh, mais en attendant. Allez hop! Ah ben non. C'est vide. Je dois vérifier dans le dernier. Bon bah mince, ils m'ont bien eu, c'était bien là. Du sang. Quelqu'un est blessé. J'ai l'air bête, mais vraiment bête. Arrête! Ah. Reste où tu es! Succès cache-cache. Je ne fais pas partie des Trinitaires. Je m'appelle Lara. Et ton arme n'est pas chargée. Le baril est vide. De toute façon, le percuteur n'a jamais marché. En plus. Tu es blessé. J'ai juste besoin de m'asseoir un moment. Lara, c'est ça? Moi, c'est Nadia. J'aurais bien besoin de ton aide. Comment ça? Ça de mon aide. T'es qui, toi, ma petite?
T'es qui? Réponds. Qu'est-ce que je peux faire? Mon grand-père est parti en douce du village dans la nuit. Je crois qu'il se dirige vers le vallon maudit, là où habite la sorcière Baba Yaga. J'essayais de le rattraper lorsque les envahisseurs m'ont... Avant ma naissance, la sorcière a tué ma grand-mère. Grand-père parlait toujours de se venger, mais je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Ah bah à force. Le temps presse et je ne suis pas en état d'y aller seule. Nous devons le retrouver. Bah oui, on est là pour ça. Je vais partir par là pour voir si je peux retrouver sa trace. Ah, merci beaucoup. Le chemin qui mène au vallon se trouve dans la grotte à l'est d'ici. Cœur. C'est une grotte qu'on a déjà visitée en plus. Super génial. Bon, bah, il n'y a plus qu'à y aller. Par contre, il est possible que les animaux dangereux et exotiques aient repopé. Donc, il faudra s'attendre à du combat rude. J'aurais pu faire cette mission il y a longtemps, sans doute. Mais bon, je voulais le garder pour la fin. D'ailleurs, j'y pense. Un des codex qu'on a retrouvé nous permet de récolter un truc très spécial. Enfin, un minerai spécial. Oui, c'est parfait. On va enfin pouvoir améliorer nos armes au maximum. Donc là, il faudra que je pioche dans la terre. Ça va être obligatoire. Parce qu'il va m'en falloir. En plus, avec ma nouvelle arme que je me suis achetée, il faudra que je pense à l'améliorer au maximum. Radio sur l'un des envahisseurs que tu as tué. Tu m'entends? 5 sur 5. Je peux écouter les fréquences des envahisseurs pendant que je me soigne. Je te ferai signe si j'entends quelque chose qui pourrait t'aider. D'accord. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas un truc qu'on peut améliorer maintenant. Non, là, c'est au maximum. C'est sur celui-là que je voudrais. Eh oui, je peux améliorer les dégâts de mon fusil. Et voilà, il a pour la classe mon fusil maintenant. Un petit fusil d'assaut, bien fait. Ah, ça, c'est bien. Faudra que je recharge en bleu. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur le vallon maudit, Nadia? Mon peuple évite cet endroit depuis des siècles. Lorsque les soviétiques étaient ici, ils ont essayé de construire un avant-poste dans le vallon. Sans blague. Ils ont énervé Baba Yaga. Elle les a tous rendus fous. Grand-père m'a beaucoup parlé d'elle. Elle vit dans une maison magique qui marche sur des pattes d'oiseaux. Et tu y crois? À la maison aux pattes d'oiseaux? Je fais confiance à grand-père. Il était au goulag lorsque les soviétiques ont emmené ma grand-mère dans le vallon pour les aider à étudier les ruines. La sorcière l'a tuée. Il ne l'a jamais oublié. Ah, mais c'est sûr que c'est difficile à oublier. Une sorcière? Tout droit sortie d'un conte russe? C'est assez improbable. Mais pourtant, avec tout ce qu'on a vécu jusque-là, Lara, il n'y a pas trop à se poser la question, tu sais. Lara, je reçois une transmission. Tu dois l'entendre. Overwatch, c'est l'équipe Bravo. Nous demandons l'extraction immédiate. Oh, merde. C'est quoi ce bordel? C'est... Elle marche. Comment? Putain de... Ah, ok, c'est par là. T'as entendu? C'était la sorcière. Il se passe quelque chose là-bas, c'est sûr. Ah, ça. Ah, il y a. Soit, on va tirer ça au clair. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça la dernière fois qu'on était venu là. Ça, c'est parce qu'il fallait attendre le DLC. Par contre, c'est vrai que dans cette zone, il me reste toujours un document, mais je sais pas du tout où il est. À moins que ça fasse partie aussi du DLC dans ce cas. Lara? Lara?
T'as fait quoi, là? Je t'ai demandé de sauter sur une plateforme pour tomber en bas. Je sais que c'est pas très solide, enfin quand même. Tu vois, c'est faisable. Il y a un petit campement. On dirait que grand-père est au moins arrivé jusque-là. Tu as presque atteint le vallon. Alors, je sais pas du tout combien de temps va durer. Reste DLC ou combien de vidéos il me faudra, mais à mon avis plus d'une. Et en tout cas, je vois. Si c'est très chargé. Comment il a fait le pépé pour y arriver? Et pourquoi les trinitaires vont là-bas aussi? Lorsque les goupillards parcouraient le vallon maudit à la recherche du grand-père disparu. Je crois avoir trouvé le vallon maudit. Succès, avant tout espoir. Je sais pas si c'est Baba Yaga, mais il y a quelque chose ici. Fais attention, c'est son territoire. Ça, je crois qu'on l'avait remarqué. Nadia, ma petite fille. À présent, tu dois le savoir. Je me rends dans le vallon pour tuer la sorcière Baba Yaga. Je pars venger ta grand-mère. Il y a de nouveaux arrivants dans notre vallée, des hommes armés qui arrivent en hélicoptère. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais si je veux y aller, c'est ma dernière chance. Tu m'es... Ah ben, je vois que le petit père, il était pas très sain. Alors... Il n'y a rien à creuser ici, non? Des coups, elle est flippante quand même. Yaga, elle a quand même de sacrés goûts. Oh, qui c'est que ça? Le vieillard a été repéré à 0700. Nous avons d'abord cru qu'il cherchait à attaquer le complexe, mais il a continué sa route à travers un canyon qui n'était pas sur nos cartes. Nous avons reçu l'autorisation de le suivre de loin, et nous avons déjà rencontré... Bon, allons-y. Putain, putain de fumée. Il y a une sorte de pollen dans l'air. C'est les fleurs. Tu peux répéter? Je n'ai pas bien entendu. Quelque chose ne va pas. Ok. J'ai la tête qui tourne. Il se passe quoi, là? Non. Oh la vache! C'est un rêve. C'est pas réel. C'est pas possible. Ah bah dis donc! Ils sont bien accrochés, cet endroit. Hein? Continuez. Avancez. Je vais bien, moi, mais par où? Je peux même pas utiliser ma vision. Okay. Hein? Papa? Non, c'est pas possible. Quoi? Non, attends. Quoi, c'est déli- ok, on est sous hallucination. Je suis presque là. Mais je suis où? Il va jusqu'où ce chemin? Bah, jusqu'au bout. Il y a par là, espèce de petit singe. C'est pas réel. Pas lui. Papa, arrête. Ah non. Il faut que je me sorte de là. Ah bah ouais, plutôt de fois qu'une, hein. Et putain, bah y'a gars, je sais pas ce qu'il y a une vérité derrière chaque minute. Je veux seulement partir. Je vous en prie. Ok, là, on est clairement sous hallucinogène. C'est pas possible. Apparemment si. Ouais, je sais pas où je suis tombé là, mais...
Ouh, c'est costaud ce que j'ai respiré. Pourquoi vous faites ça? Arrête! Je t'en prie, arrête! Moi, il est trop tard. Je sens pas trop là. Papa, non, fais pas ça. Je t'en prie. Hein? Il y avait un crâne. Il y avait un crâne sur la tronche. Qui êtes-vous? Oh là là. Ah. Qu'est-ce que... C'est pas possible. C'est juste un mythe. Ouais, t'as pas les gars, il y a ce qui est. Ah ouais, une maison qui bouge, c'est pas un domicile fixe. Oh là là, c'est une maison avec des pattes de poule. Elle doit avoir sacré cuisse. Oh, génial. Y'a des loups. J'ai bien fait d'améliorer mon arme, hein. J'ai esquivé. Oh là, je sais pas. Oh là. Succès, un éclair du chic. Là, là, tu m'entends? T'es là? Oh là là, j'avais combien d'eau? Je suis là, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé à tousser, t'as parlé de fleurs et de pollen et plus rien. Je croyais que la sorcière t'avait tué. Je crois que j'hallucinais. En tout cas, j'espère. Des hallucinations? Il y a une fleur dans la vallée qui peut donner des visions, mais elle a peu d'effet. Ah bah apparemment, là, elle était très concentrée. Tu sais ce que c'est, cet endroit? Je vois des conduits, des canalisations de fabrication soviétique, je pense. Ah bon? Ah bah oui, on est là. Il y a un défi, des reliques, des documents, des caches de survie. Ouais, littéralement. Peut-être l'avant-poste que les soviétiques ont construit pour étudier les ruines. Ma grand-mère était une chercheuse, ils l'ont emmenée ici pour qu'elle les aide, mais c'est la dernière fois que grand-père l'a vue. Il n'y a eu qu'un survivant, un officier, qui est sorti de là quelques semaines plus tard. Il a dit que la sorcière les avait obligés à faire des choses. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir ce qu'elle leur a obligé. Je savais que je faisais une erreur en lui jetant mon verre au visage, mais je l'ai quand même fait. Je pensais que l'air stupéfait du ministre Dyatlov valait la peine de perdre le financement pour mes recherches. C'était stupide. Les vermines du KGB ont enfoncé ma porte. Ah bah ouais, avec eux on n'a pas le droit de rigoler, ils sont pas très tolérants. Ils ne sont pas du tout d'ailleurs. Bon, alors on va sortir là. Un petit combat rapide contre cette Baba Yaga. Et on se fait rétamer. Ah bah oui, on l'a perdu, autant le dire tout de suite. Ça fait du bien de découvrir une nouvelle zone.
Ça va donner un peu de challenge. Lara. Voilà, c'est mieux. Je regarde au cas où si j'ai pas oublié des petits trucs, c'est en surveillance normalement. Ah, ce codex pour augmenter notre capacité d'escalader, c'est quand même génial. C'est fou ce qu'on peut apprendre sur l'histoire en explorant un peu. Et, juste pour voir s'il y avait un truc. Mais non. Bien. Maintenant, on monte. Bon, par contre, elle a parlé d'une fleur, l'autre fille. Donc, de quoi elle veut parler? Je n'ai jamais tenu ma fille dans mes bras. Ils me l'ont prise sur la table d'opération. J'ai essayé de me battre, mais ils sont nombreux. Je suis fatiguée. Ils m'ont emmenée et ont séparé nos trois cœurs. Ils m'ont emmenée dans un vallon secret où se trouvent d'anciennes ruines. Ils m'ont dit que si je coopérais, je pourrais revoir ma famille. Je ne pourrai jamais faire confiance à ces monstres, mais je n'ai pas d'autre plan. Il y a des fleurs étranges ici. L'exposition au pollen a... Mais t'es surpris si vous voulez lire vraiment, mais Claire, c'est assez intéressant. Il y avait un truc en bas et je l'ai raté. Comment ça se fait? Bon, excusez, mais s'il y a un truc que j'ai raté, je veux le récupérer. Ah bah, il est là-haut. C'est quand même dommage de partir sans ça, non? J'aurais pu partir aussi en arrière, ça aurait été plus intelligent. Bon. Non mais Lara, monte. Putain, au pixel, c'est sensible. Ah bah si, c'est comme ça qu'il fallait faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ivan, je pensais que ce serait simple. La plupart de ces brutes puantes prennent ce qu'ils veulent aux prisonniers. J'avais choisi Ivan parce que je croyais qu'il céderait. Mais c'est pire que ce que je croyais. C'est un homme bon. Il déteste cet endroit tout autant que moi. Ça ne veut plus rien dire quand je pense qu'il mange et dort bien. Mais il a un sens moral, contrairement aux autres. C'est un endroit... Ok. Donc quand les gens changent... Genre bon, ça peut être pratique. Bon, au moins j'aurais repris celui-là. Par contre, il y a des caches de survie certainement, mais j'ai aucune idée d'où elles sont. Il y avait quelqu'un ici récemment. Il y a des constructions au-dessus des ruines. Qu'est-ce que tu vois? On dirait une distillerie de fortune. C'est la même odeur que les fleurs. Merde, bien sûr! Elle distille le pollen. Elle en fait une arme. Rien à voir avec la magie, Nadia. C'est simplement de l'ingéniosité. Mais attends. Si elle était humaine, le pollen devrait aussi avoir un effet sur elle, non? Si elle a trouvé un antidote, on peut aussi l'utiliser. Intéressant. On va fabriquer un antidote, c'est ça? Et je sais pas ce que j'ai fait. Bon, ça va être suffisant. Il ne reste plus qu'à rapprocher le soin. Ah,
Ok, je crois que ça va être un truc. Bon, bah, ok, c'était ça. J'étais pas sûr vraiment, mais bon. Quoi? Merci, petit vestige de la soviétique, même si j'ai pas envie de dire ça. Ah! C'est automatique celui-là. Cela fait des semaines que ces vermines m'ont traîné hors du goulag, loin d'Ivan et de ma fille, dans cet étrange vallon. Ils m'ont chargé de trouver un moyen de neutraliser les effets inhabituels du pollen qui flotte dans l'air. Je pense avoir trouvé une formule qui fonctionne. L'extrait d'une des graines de la plante. Le foie d'un animal qui se nourrit de cette fleur ayant métabolisé la toxine. Un dérivé de phénothiazine. Le dernier ingrédient présente un risque. Ils l'ont en grande quantité dans le goulag, où il est utilisé comme insecticide. Il pourrait aussi agir comme un neuroleptique rudimentaire, puisqu'il possède des similitudes chimiques avec d'autres composés que j'ai étudiés. Mais il pourrait aussi être toxique. Je testerai le mélange sur moi, ce soir. J'ai laissé ça. J'ai trouvé quelque chose. L'un des prisonniers a noté une formule qui pourrait neutraliser les effets du pollen. Ça doit être l'écriture de ma grand-mère. La sorcière l'a tuée et maintenant elle va nous aider à sauver grand-père comme dans l'une de ses histoires. Nadia... Fais-moi confiance, Lara. Rends-toi au complexe soviétique, là où on s'est rencontrés. Je t'aiderai à trouver ce qu'il te faut. D'accord. Alors, on va faire le voyage rapide, mais après on va s'arrêter, je crois. Décrire ce que je viens de voir. Je suis entrée dans le vallon maudit à la recherche du grand-père de Nadia. Mais j'ai failli y passer. C'était comme un conte de fées. Je m'ai vue à travers un miroir brisé et sale. Et papa, je sais bien que j'ai tout imaginé, mais le coup de feu résonne encore dans ma tête. Quelque chose d'horrible se passe là-bas. Même si je sais que ce n'est pas de la magie, c'est extraordinaire. Il faut que je découvre ce qui se passe. Mais d'abord, je dois trouver un moyen d'y voir clair. Ah oui, il va falloir fabriquer cet antidote. Hein. Bon, on se téléporte, c'est une cinématique, on la regarde, mais sinon, on va s'arrêter là. C'est peut-être court, mais on va pas y aller, on va y aller mollo. Hein. Ah, chargement, il en va tirer une cinématique. Ah, mais dis donc, hein, c'est long. Alors que je pense à récolter un peu de minerai maintenant. Et à améliorer absolument toutes mes armes au maximum. Nadia, je suis revenue au complexe. Je dois commencer par où, à ton avis? Bon, d'abord, il nous faut les graines. Les fleurs poussent dans les grottes du coin. Il n'y en a jamais assez pour te rendre malade. Tu devrais pouvoir en récolter facilement. Pour les foies, ça devrait être facile. Les cerfs se nourrissent des fleurs. Il te suffit d'en chasser. Et j'ai une idée pour trouver de l'insecticide. Grand-père m'a appris à lire le russe. Je suis en train de chercher dans les listes d'équipements. Je te tiens au courant dès que j'ai trouvé. Très bien. Je vais commencer à rassembler les autres éléments. Tant mieux. Eh ben, c'est parfait. Paquet de sorcières. Je sais pas qui est cette sorcière. Mais on va s'amuser la prochaine fois. Portez-vous bien, mettez un pouce bleu si vous avez aimé.
Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et voir la suite. Laissez commentaires sur les réseaux sociaux. C'est une chose à dire. Dire au revoir, à la prochaine. Moi, je vais essayer de me récolter quelques ressources en plus.